Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la playroom, ce nouvel épisode de Mad Max. Donc, chers amis, il y a un bug, ce qui fait qu'à chaque fois que je lance une partie, en fait, je re-atterris sur ce pont. Donc c'est casse-couille. Heureusement, ça nous met pas trop loin du prochain camp, enfin de la prochaine décharge qu'on va faire, qui va nous apporter donc une des pièces restantes pour Pink Eye. Hop, on va essayer de se dépêcher un petit peu. J'adore l'entendre le bruit du moteur qui change, comme ça, pour le plaisir. Salut les gens. Non, on se bouffe pas le caillou. Ok, c'est bon. Oh, forcément. M'en fous, j'y suis. Allez, Udada. Hop les. Udada. Hop les. Salut les mecs. Et je me suis garé en plus, c'est génial. Yo. What's up, bro? Oh, genre. Ah, je suis mauvais. Allons-y. Brise bouclier, boum, boum, boum. Raté. Ah, j'aurais pu finir, c'est vrai. Oh, il a pas tranché son pote. Ça par contre c'est moche, le cadavre qui disparaît déjà. Dégage. On a eu deux. Wouhou. Putain, c'est l'équivalent d'un jaune. Allez, bien. Boum. Crac. Ça c'est fait. Bon. Oh, ça suffira pas. Boum. Crac. Ça c'est fait. Allez, viens. Viens. Bam. Crac. Ouh. Ouh, ça a dû faire mal, ça. Ouh, que ça a dû être douloureux. Alors, on a ici à choper deux ferrailles et une pièce. On va lâcher l'arme à la con. Oh non. Oh putain. Non, c'est un homme, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Deux ferrailles, donc une ferraille. On grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe. La pièce de projet. 1, 2 et 3. Parfait. Et la troisième ferraille, elle est dans mon cul, c'est ça? Est-ce qu'elle est dans mon cul, la troisième ferraille? Elle est là. Voilà. Ensuite, on va aller chercher un deuxième élément de projet qui se trouve normalement ici, si je me trompe pas. Voilà, réserve d'eau. Et ensuite, le dernier élément de projet de cet homme sera... Enfin, de Pink Eye, pardon, de cette femme, donc. Sera une mission, apparemment. J'ai pu voir ça de cette manière, en fait, regardez. Hop, on voit bien, notre pain quotidien, il manque un truc. C'est notre pain quotidien... notre élevage asticot, pardon, il manque un truc, c'est notre pain quotidien. Donc bon, bizarre. Alors apparemment, en descendant par là, on peut gagner du temps. Oh non. Hop les. Alors en vrai, ça marche pas ça, chers amis. Hein. Essayez pas, j'allais dire. Je l'ai carrément déterré le caillou, c'est vivant. On passe par là, je sais pas du tout où ça nous mène, hein. Autant vous le dire. Je trouvais ça stylé, je me suis dit bon, on va passer par là. Ça me rappelle une mission de The Crew, très précisément. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. En fait, depuis qu'ils ont annoncé qu'il y aurait y avoir des motos dans le truc, alors moi je trouvais ça intelligent justement qu'ils aient... Ça s'appelle The Crew, c'est un jeu de voiture, du coup il y aura que des voitures. Ils avaient dit ça en live sur Gaming Live, hein. Enfin, sur, oui, pas sur, du coup, sur jeuxvideo.com. Ils avaient dit en live, non, il n'y aura pas de moto dans le jeu. Les gens ont insisté.
Le jeu a pas fait une super sortie comparé à ce qu'il croyait. Le jeu est pas aussi est extrêmement redondant, pas aussi fun qu'il l'avait prévu. Bref, il y a plein de choses qui font que. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va sortir un DLC en dehors du Season Pass pour ceux qui l'ont acheté, vous l'avez dans le cul. Ça s'appelle une expansion, pas un DLC. Et on va vous mettre des motos dedans et des Monster Trucks, alors que normalement c'était plus ou moins censé être dans... Enfin, au moins pour les Monster Trucks, c'était censé être dans le jeu, quoi. Enfin bon, c'est mon point de vue à moi, hein, après. Moi, je trouve que c'est stupide, et du coup, bah, pour un jeu dont quand même j'avais fait une super promotion, parce que j'avais vraiment la hype d'y jouer, j'étais vraiment déçu, hein, d'apprendre ça. Du coup, The Crew Wild Run, là... Non. C'est mort, hein. Ils vont pas. Il y a aucune raison que je leur mette de l'argent dedans. Surtout que le season pass avec les soi-disant mises à jour, machin gratuite, tout le monde a fini par les avoir parce que le jeu était pas aussi complet que prévu. Enfin bon. J'aimerais rejoindre le truc en fait, mon cher Chum Bucket. En plus, elle brûle un petit peu. Attends. Où est-ce qu'il faut qu'on aille normalement? Allez, répare la caisse. C'est parfait. On va considérer que c'est bon. C'est suffisant. Non. Pas par là. Putain, il faut lui faire de la conduite de précision à Mad Max maintenant. Et c'est un cul-de-sac. Oh là 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 là. Bon. Non. Pas trop loin non plus. On évite. Alors, est-ce qu'on va réussir à y aller par là? Oh ouais, ça serait bien par là. Salut les mecs! Hop, donne-moi ton arme, tiens. C'est quoi? Bam! Raté. Tiens, bouffe ça. Crac! Ici, on trouvera deux ferrailles et une réserve d'eau. Et une pièce réserve d'eau. Oh, mais c'est un véritable endroit en fait, c'est cool. Allez, viens. Raté. Bouffe ça. Crac, dans le caillou. Dégage. Alors. Raté, je voulais le faire péter moi-même. Dégage. Bon, là normalement je devrais être tranquille. Mais c'est qu'ils sont nombreux en plus. Hop, raté. Raté. Crac. Et crac. Voilà. Putain, ils sont nombreux en plus dans le truc, et c'est cool. Alors, une. Je récupère un maximum de choses quand même, parce que j'ai gaspillé des balles et des machins et des bidules. Par exemple, ils ont pas des masses de balles sur eux, ça qui est dommage. Hop. Continuons. Hop les. Si on pouvait aller dans la mouise. Crac.
Ah. La ferraille supplémentaire. Là, il y aura strictement rien. Tout à fait. Et là, il y a l'élément de projet. Hop, 1, 2 et 3. Parfait. Donc, on a deux éléments de projet à les donner à Pink Eye. C'est parti. On va aller faire ça. Et ensuite, on partira faire une ou deux... un ou deux champs de mine. Voilà, je vais y arriver. Hop. Parfait. Le deuxième. Ça, c'est de la ferraille. Moi, c'est la récupération d'eau, je crois. Là-haut. Ok. Le problème, c'est qu'on peut pas aller là-haut par là. Faut y aller absolument. Par là, c'est ça? Je sais plus. C'est ça. Hop. Je commence à comprendre comment ça fonctionne, cet endroit. Difficilement, mais ça marche. Hop, c'est parti. Hop. Est-ce qu'on aura le droit à une petite cinématique? Oui, on a le droit à une petite cinématique. Oh. Et du bleu et du rouge. Le Tempax. C'est pas plus réparé en fait, mais là il y a des flammes en fait maintenant, c'est cool. Je crois qu'il n'y avait pas de flammes avant. On va aller leur donner un petit peu de ferraille, ils vont être contents. Pourquoi j'irai voir la commandante? Hop, et je crois que c'est le dernier niveau en plus, c'est parfait. Hop, et voilà. Ça, c'est fait. Il restera plus que la quête finale avec les asticots là. Ok, de ce côté là on est plutôt bon. Alors bizarrement celui-là il n'y a plus que 3 trucs. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va là ou est-ce qu'on... J'en ai un ici... Oh, les territoires sont gigantesques. Ou alors j'en fais deux là, et deux là, peut-être. On va faire ça comme ça. Même s'il va nous en falloir une chier pour terminer le... pour l'avoir à zéro et avoir le dernier V8. Choisir un autre véhicule, collection. Si seulement il y avait un meilleur véhicule en fait pour le faire. C'est simplement ça qui me dérange. Hop, s'il y avait un autre véhicule, ce serait beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Parce que techniquement, rien ne nous empêche d'emmener le dog, d'emmener le chien. Wahoo! Wow, je te roule littéralement dessus, c'est cool. Hop! Rien ne nous empêche d'emmener le chien dans notre voiture à nous. Hein. Techniquement... Sauf si on a peur que Chum le bouffe. C'est vraiment la seule raison pour laquelle on pourrait avoir peur. Hop. Attaboy. Oh, ça pourrait être tellement classe. Aïe! Réparation rapide. Hop les! Hop les! Crac aussi! Hop les... Crac! Allez, au suivant.
Hop là. Au suivant. Voilà, le coup de pied pour finir. Bon, on lâche l'arme. Hop. Allez, ici. Crac. C'est bon ça. Et il nous en reste une normalement sur la gauche. Il me l'a placé ou pas? Il me l'a placé. Hop. Pourquoi pas? On y va. Ça en fait une. Avec un petit combat. Mais bon, ça va pas me suffisant pour baisser à zéro. Oh, ça fait presque rien. Enfin, on le voit, mais je veux dire... c'est pas... Ça pourrait être plus, quoi. Je veux dire, on est pas obligé de tout faire pour avoir la menace à zéro, surtout que des mines, voilà, on les voit de loin, puis au bout d'un certain temps, normalement, elles sont pétées, quoi. Les gens se rendent compte qu'il faut pas y aller. Mais bon, c'est pas grave. Et puis j'ai pas d'accélération, j'ai rien sur cette voiture. Comme une cause, celui-là. C'est marrant, comme une cause. Oula, non, c'était tout droit, blabla. Allez. Oh putain. Au niveau de l'accélération, ce véhicule est vraiment naze. Hein. Hop. Ah bah non, fallait descendre en fait. Et va-t-il y arriver? Regardez-moi le GPS quand on chie comme pas deux. Hop. Alors. À moins qu'on l'a tous fait, non, il en reste encore un. Ouf. Là je me fais. Là que je me mets à faire du deux roues. On parlait des motos justement. Aïe. D'ailleurs moto qui aurait dû être présente dans Mad Max. Hein. C'est depuis le premier Mad Max, il y a des motos, c'est stupide de pas en avoir mis. Ouh, merci pour la ferraille. Donc, j'ai traversé le machin de bout en bout. Et je n'ai rien eu du tout. On va passer par là, c'est pas grave, on va bien finir par trouver. Boum! C'est beau ou pas ça, chers amis? Alors. Est-ce qu'il va finir par me le trouver? Est-ce qu'il va finir par me le trouver, ce chien? Eh, tu fais pas mine de chercher, rassure-moi! Bon. Apparemment, c'est pas par là. Est-ce que ce serait peut-être un petit peu plus par là? Attendez, le premier, il était où? Il était par là, à peu près, non? Si on allait voir un peu plus par là, peut-être. Hop! Il a flairé quelque chose. Ça y est. Il détend. Ah oui, le voilà. Hop! Ok, j'en ai une. Ça, c'est fait. Est-ce que je peux la péter à distance, au fait, ou pas? Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Hop. Forcément. Oh oui, vous êtes descendu?
Le chien, aide-moi à en trouver d'autres. Voilà. Allez, viens. Cours-moi dessus. Tu vas voir. Faire une arrivée explosive. J'ai presque envie de... Regardez. Pin 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 pin. Si ça c'était pas beau, chers amis. Ok. Il était pas loin avec sa voiture. Oh, oh, je sais ce qu'on va faire. Oh, je sais ce qu'on va faire. Oh, elle est belle en plus. C'est une décapotable et tout. Détecté par la faction des vautours. Oh merde. Non, non, je vais pas le ramener. Je vais. Plus aucune menace. Oh merde. C'est vrai que j'étais peut-être un petit peu proche. Pauvre chien. Il a pris tellement cher. Allez, on monte. Le chien, t'es en forme? C'est bon. Bon, maintenant on va aller là. En espérant qu'il nous tombe la deuxième avant qu'on arrive sur la première. Ce que je sous-entends par là, c'est la possibilité de trouver justement celle qu'on cherche. Qu'on aura à chercher plutôt vis-à-vis de celle qu'on a déjà découverte. Oh! Hop, comme ça ils pourront pas me suivre. Hop les. Alors ce qui est marrant, c'est que juste avant, chers amis, vous voyez, j'étais en train de commencer à mettre les premiers mods sur Fallout 4. J'espère qu'ils vous plairont. Il y en a peut-être un qu'il faudra que je recalibre un petit peu, mais j'espère qu'ils vous plairont quand même. Oh, c'est plus dans l'ambiance que dans le truc. Et encore, ils sont fonctionnels que quand ils veulent. Mais bon. Si je me trompe pas, j'ai rajouté des meilleurs sons, des meilleures craquelures pour les armes. Ouais, mais on y est, c'est pour ça. Des meilleures craquelures pour les balles, pardon, j'ai dit pour les impacts. Pas pour les ombres, c'est débile. Un meilleur ciel, en fait, simplement, la nuit. Donc une nuit plus sombre, il me semble l'avoir dite. Enfin, quelques petits trucs comme ça. Une meilleure ambiance aussi visuelle et lumineuse. T'es pas loin. Hop. Voilà. Quelques petits modes comme ça qui rajoutent un petit peu à l'ambiance. Ah oui, de meilleurs sons d'armes aussi, apparemment. Pense à prévenir un peu plus tôt le Doug. Ce serait sympa. Alors, on est là, on peut espérer que ce soit par là, mais à mon avis ce sera plutôt par là. C'est toujours pas le cas, hein. Ce n'est pas encore bon. Hein. You smell something. Ah bah cool. What? Aïe. Alors. Ça devrait être par là. Let's go, children.
Aïe. 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 Putain, il me gonfle celui-là. Voilà, couché. La ceinture de munitions est pleine. Hop, alors où est-ce que tu le vois? Bon alors il est complètement bugué. Parce que même au niveau du truc il m'a pas affiché. Il m'a pas affiché le reste en fait. Ah plutôt là non? Non du tout. Et puis il a pas un seul petit intérêt pour le reste hein. Hop. Il est complètement bugué, il va même plus aller dans le bon sens. Hop, si on peut par contre. Allez, marche arrière. Oh putain. Il en peut plus le chien. Hein. Là, il est complètement à côté de la plaque. Hein. Ah ouais, non, on l'a perdu. On l'a définitivement perdu, le pauvre chien. Attendez, plus qu'à voir, est-ce que si je sors de la voiture. Ah non, 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 il est. Pff, il est mort. Cérébralement, c'est fini. You got something? Ah. Ah oui, là-bas. Effectivement, bien vu le chien. Ça y est. Allez, venez. Bien en trouver une ou deux maintenant. Raté. Hop. Peut-être dû faire en sorte que la voiture se barre. Pouf. Pique-nique douille, c'est toi l'andouille. Oh putain. Allez le chien. Merde, pas par le bon côté. Alors. On s'écarte un poil. On va chercher une de leurs caisses. C'est pour le plaisir, hein. C'est uniquement pour le plaisir, chers amis. Voilà. Boum. C'est fait. Et la dernière, on va la faire en mode casual. Hop. Ouh putain. On a failli vraiment la faire en mode casual là pour le coup. Bon. Bah ça se passe plutôt bien. Bah écoutez, il nous reste combien de régions à faire? Deux. Deux, deux, deux. Mouais, mouais, mouais. Là-bas c'est quoi déjà? Rencontre légende. Bah tiens, c'est ça qu'on va aller se faire, chers amis. Hop, on va aller se faire ça, on va aller se faire les rencontres légendes qu'on a à faire avant de se laisser. Ça fait combien de temps qu'on est dedans? Ça fait une demi-heure. À peu près, je pense. Hop, donc ouais, c'est comme ça qu'on va se, on va se démerder comme ça. Et on verra bien ce que ça donne. Hop. Nous voilà partis. Alors. Bon chum, tu causes ou pas? Les numéros inconnus comme ça, chers amis. Hop les, ça y est. Salut les mecs.
Hop. Et de 1. C'est fait. Au suivant. Il y en avait un juste là. Merde. On va se téléporter, c'est pas grave. Hop. Ça devrait aller assez vite. Hein. Crac. Hop. Un petit peu d'accélération quand même. Hop. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Alors, ah là là, y est, on est dedans. Hop, on monte. Tu m'emmènes là, s'il te plaît, merci. Hop. En fait, c'est Chum qui nous conduit. C'est pour ça qu'il a pas le temps de recharger les armes. En fait, il nous emmène lui et il recharge pas l'arme. Nous, on est à l'arrière en train de se la couler douce, faut le dire. Hop. Alors, apparemment, on l'a raté. Voilà. Hop, les. C'est fait. Qu'est-ce qui nous reste? Tellement de quêtes qui sont apparues, j'ai l'impression. qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste une ici. Hop, on va se téléporter donc ici. Hop. On se dépêche un peu quand même, merde. Hop. Voilà. Et boum. Encore un ou deux ou trois, je sais pas. Alors, ici on a un, d'ailleurs qui est très très bien caché. On profitera pour aller débloquer la course à la mort qui est juste à côté, mais vraiment juste à côté apparemment. Ça pourrait être intéressant. Ah, on a téléporté assez loin là pour le coup. Allez, monte. Ok. Allez, pousse. Ah, j'ai pas réussi à monter. Je pensais que j'allais réussir. Échec. Hop, ça y est. On a réussi. Hop. Pente de folie. Il va nous en rester une ou deux, je pense, parce que la mission, ça nous a pas fiché que la mission était terminée. Ou alors je me trompe complètement. Hein. C'est possible. Hein. Bon, bah, apparemment, je me trompais. On a tout fini. Enfin, tout fini au niveau de cette quête-là. Bon, bon, bon. Bon bah c'est cool. Bon bah on va se rentrer chez Jit, chers amis, et puis on va se laisser là pour cet épisode. Bah écoutez, ah il veut encore pas me téléporter chez Jit. Bon bah tant pis, on va aller ailleurs. On va aller chez Godgash, c'est pas grave. Donc écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueur de la Playroom, donc vous retrouvez le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop. Et n'hésitez pas à cliquer dans les reviews de l'épisode de mon partenaire gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert Mad Max et Fallout 4. Et je les en remercie tout comme je vous remercie d'être fidèles à la chaîne. Allez, à plus les gens.